derrière de Bilali, peut-être pour la terre. Ah, ça bouge d'un côté. C'était Soudeis. C'était Soudeis Assoumani qui. Soulé ainsi, Santana. Ah, oh, le DB avec Edgy. Il est pour jeu, Santana, il est pour jeu. Santana, Santana. Oui. L'ouverture du score de cette équipe de la Méditerranée. Ils sont solides, ils sont tranchants. Dobagne qui met pas assez de poids sur le plan offensif. Oh là, c'est bien joué, c'est magnifique de la part de Bilali. Et Bilali encore. Il a fait lever les foules. Il fallait être vigilant. Allez, le corner tiré. C'est par Romain Martinez ce corner. Au deuxième poteau, la déviation de Soulé, la tête de Barek, la déviation. Oh, le but ! Et l'égalisation ! Cette double tête ! La première de Youssef Barek, la seconde ensuite de Tony Pasqualini. Cette équipe d'Aubagne n'est pas morte. Elle revient dans la partie. Un but partout, Tony Pasqualini. Et on le dit depuis le début. Eddy Ben Idriss. Et ce ballon avec Hadji, attention, le coup d'épaule. Oh, et penalty ! Ah, penalty sur ce coup d'épaule de Youssef Barek. Ouh, la balle en profondeur de... Quelle action, Azir ! Parce que l'accélération là, de Hadji Mbaye qui prend défaut toute la défense. Bilali qui s'élance, et ça passe. Et ça passe juste en dessous des gants de Gaëtan Salvatore. C'est Bilali Affidou. Lui aussi est dangereux. Il a loupé quelques occasions, mais il a très adroit pour ajuster Azir et décroiser ce penalty. La Méditerranée mène 2-1 face à Aubagne. Il a tiré. Cette équipe d'Aubagne qui va continuer d'attaquer. Romain Martinez, ce beau ballon pour Tony Pasqualini. Il n'est pas en jeu, le contrôle. Tony Pasqualini, il va enchaîner la frappe encore une fois. Tony Pasqualini dans la surface de réparation. Oh, et bien intercepté. Hadji Mbaye, le ballon profondeur avec Bilali. Bilali le long. Oui, que c'est bien joué. Quelle finesse. Ils ont bien fini cette première période. Ils commencent très bien, très très bien cette seconde période. Bilali Affidou, 3-1. La Méditerranée. Fait le break. Méditerranée, c'est beaucoup d'intelligence tactique. Romain Martinez pour le centre, la tête du Youssef Barek, on s'est contré, et dans la surface de réparation. Et dans la surface de réparation, on est toujours là. Cette équipe de Bagne qui n'est pas morte, elle réduit les cas au score. Semi Barkala, 3-2. Edi Atia, la frappe. Oh là là, juste à côté. Cette frappe d'Edi Atia, on parlait de lui justement des buts, mais bon, on ne peut rien lui reprocher non plus. On ne peut rien lui reprocher. Ouh, avec Abderrahmane Atoumani, le déboulé. Et quel tac. Quelle intervention de Fabien Pasqualini. René est là, a fait parler ses qualités défensives. Avec Ismaël Ousseini, couloir gauche, Ismaël encore, Ismaël toujours. Il gagne le duel physique, il gagne peut-être aussi le duel technique. Oh là là, tu m'es joué. Le festival d'Ismaël, le centre. Et c'est dévié par Youssef Barek. Pianis qui nous dit... Équipe vraiment cohérente de la Méditerranée dans tous les compartiments. Attention, avec Adel Santana Mendy dans la surface de réparation. Il continue, il gagne ce duel physique. Santana Mendy, le centre pour Nassir Atoumani. La frappe, et non, c'est Kenji, pardon. La frappe de Kenji qui est contrée, et formidablement contrée. Avec Ismaël Ousseini. Ismaël, il va percuter, il est seul. Il va essayer de traiter. Oh, super. Magnifique. Oh, super. Magnifiquement bien joué de la part de... Et on percute, c'est bien joué. Et le centre a raté en deuxième poteau avec seul. Santana Mendy. Il est seul face Gaëtan. La frappe. Oh. Et cette équipe de la Méditerranée qui conclut ce match d'une très belle manière. Demi-volée de Bilali. 4-2. Cette équipe de la Méditerranée qui va droit vers les demi-finales, Azir. Le bout déboulé de Rabah Soudjini. Et c'est la fin de ce match. La fin de ce match et la qualification de cette équipe de la Méditerranée. L'arbitre central Marouane Abad El Andalousi qui signe cette fin de match. Et regardez l'effusion de joie, la fête des joueurs de la Méditerranée avec son public. Ils sont venus en nombre. Et c'est la qualification pour les demi-finales. Direction les demi-finales pour la Méditerranée.